pour vous remercier pour votre présence aux travaux de cet atelier. En effet, depuis trois jours, avec l'appui de l'IGAP, on passait au crime qu'un puissier aspect du système d'asile en République de Djibouti, à savoir son carnet d'agapes, sa cartographie, ses procédures d'enregistrement, les documentations, les gestions d'archives, etc. Ils ont également saisi l'opportunité de s'apesantir sur l'aspect du suivi de la performance en s'appuyant sur un certain nombre d'indicateurs de performance contenus dans l'accord du CRF. Enfin, l'atelier a offert aux participants une possibilité de diagnostiquer l'objectif en vue de dissiper les goulots d'étranglement et partant jeter les bases de l'élaboration d'une nouvelle stratégie du CRF. Les échanges ont été participatifs et objectifs. Et c'est dans la main, avec une volonté manifestée, de parvenir à des résultats probants que toutes les équipes ont travaillé pendant trois jours. Les recommandations ici de cet atelier sont aujourd'hui à la portée du main du gouvernement. Celle-là est une étape importante dans la mise en œuvre du CRF. Enfin, je termine et déclare clos cet atelier. Je vous remercie.